So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. Salut les amis, c'est John et on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay commenté sur Modern Warfare 3. Je commence cette vidéo par deux petites dédicaces. Alors déjà une petite dédicace à mon ami James War. Il se reconnaîtra, il m'avait demandé de la faire, donc voilà, c'est fait. Et aussi une dédicace, celle-ci je voulais vraiment la faire. C'est une dédicace à une nouvelle chaîne communautaire que j'ai entendu parler il n'y a pas trop longtemps, que je trouve plutôt sympathique, en tout cas d'une optique que je trouve sympathique. D'ailleurs j'ai tenté de leur envoyer ce gameplay. En fait c'est un peu un mélange à mes yeux, hein. Ensuite c'est pas officiel, mais c'est un peu un mélange, il va y avoir de tous les jeux, donc pas que du Call of, donc ça marche pas, ça va pas sur les terres de code QG, code CF non plus. Et ça va pas non plus sur les terres de PCC, parce qu'il n'y a pas que des vidéos drôles, il y a des vidéos un peu de tout. Donc c'est vraiment une chaîne très sympathique, en tout cas je vous conseille d'aller la voir. Je vais tenter de leur envoyer ce gameplay, parce que j'ai vu qu'ils n'ont pas encore de Call of, et que cette partie au snipe... elle est pas dégueulasse non plus. Bon, je dirais pas qu'elle est excellente, hein. Je peux dire, je sais pas si j'en ai fait des meilleures, mais oui, j'ai dû en faire des meilleures. Ça vaut pas celle que j'ai fait au MSR, mais bon, voilà quoi. Il y a quand même un peu de niveau, enfin un peu de quoi donner envie aux gens de la regarder. C'est pour ça que je tente de leur envoyer ce gameplay, parce que je sais qu'ils sont un peu en manque, hein, qu'on leur envoie pas vraiment beaucoup de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc si tu regardes cette vidéo, bah pense si tu veux, hein, à faire un peu, à jeter un petit coup d'œil sur cette chaîne. En tout cas je vais tenter de leur envoyer, je sais pas s'ils vont accepter ou pas. J'avais envoyé un message deux, mais le premier ils avaient répondu et pas le deuxième, donc perso j'en sais rien. J'espère que ça les intéressera, hein, parce que moi ça me fait très plaisir. Donc sinon ce gameplay il joue au L118A. Pourquoi j'ai repris cette arme là Parce que je m'étais fait assez pouce rougé, j'ai envie de dire, dans mes vidéos en barrette, et donc ça m'avait un peu saoulé. Et comme j'ai vu qu'à la vidéo MSR il y avait pratiquement pas de pouce rouge, voire aucun, bah je me suis dit je vais reprendre un sniper à verrou, vu que j'ai pas encore le MSR, et je suis tombé sur L118A et je me suis dit pourquoi pas, hein. Faut savoir que moi je joue au sniper pour le plaisir de jouer au sniper. J'ai pas vraiment de sniper préféré, même si voilà j'ai envie de faire du barrette, mais comme j'ai envie que mes vidéos plaisent aussi, je vais pas faire que de la barrette. Je vais changer justement, beaucoup moins utiliser la barrette, en tout cas j'en ferai plus de vidéos. Rassure-toi si t'aimais pas, voilà c'est du passé. Sinon j'ai envie de dire les vidéos sur Minecraft. Alors je vais les continuer, c'est en cours, là j'y réfléchis, je ferai sûrement ça à la fin de la semaine. En gros j'espère faire tourner ça un par semaine, histoire qu'il y en ait à chaque fois un peu. Ce que je pourrais faire aussi c'est le diviser en deux parties, la partie jour et la partie nuit. Faire encore plus court, parce que c'est vrai qu'une vidéo de 20 minutes ça peut être long. Ça peut être pas sympathique à regarder, surtout si on est un peu occupé, qu'on a prévu de faire des choses. Donc je pense que c'est beaucoup mieux des vidéos qui durent à peu près 10 minutes, parce que celles que j'avais fait avant, elles ont duré 20, donc je pense que c'est trop long. La prochaine fois, je ferai plus court. Voilà. Donc sinon, ce gameplay, bah, si je me trompe pas, il va jouer full sniper. Vraiment j'ai pas utilisé ma MP9, je crois, MP9 silencieux, arme que je conseille à beaucoup de gens. C'est vraiment, alors à mes yeux c'est le pistolet mitrailleur, voilà, qui est le moins cheaté, à part la G18, voilà. Pour moi c'est celui qui est le moins cheaté, le meilleur. Dans ce sous le scorpion, alors ensuite c'est que selon moi, mais il est un peu cheaté, parce que quand on regarde il tire vraiment peu de balles, pour peu qu'on ait pillard c'est bon. Oui il a moins de portée aussi que les FMG9, mais les FMG9 c'est quand même le truc ultra cheaté. Bon je crois qu'on en a tous assez parlé, assez vu de vidéo, donc j'ai pas à m'étendre là dessus. Perso, alors le L118 là je vais m'y recul, mais je pense pas que je vais essayer recul.
quand j'aurai mieux, quand j'aurai vitesse par exemple, je crois que je mettrai vitesse par souci de praticité parce que moi j'aime aller vite, j'aime me déplacer vite et je pense que ce sera pratique et surtout parce que là on se rapproche, non, non, je me suis trompé, on se rapproche pas de la fin de partie. Et moi je préfère un mode de jeu plutôt rapide au recul qui avec un sniper au verrou est quand même de toute façon élevé donc qui a pas de réel, enfin selon moi de réelle utilité. Hein. Voilà donc là on se rapproche de la fin de partie donc et bah quand même dédicace à la Couscous Warfare, hein. J'espère que vous prendrez cette vidéo. Sinon, bah, j'espère que t'as aimé aussi mon nouveau background et ma nouvelle intro. En tout cas, tu pourras me le dire dans les commentaires si ça t'a plu, hein. Ensuite, je t'oblige à rien. Donc, sur ce, voilà. Bah, salut, porte-toi bien, ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Voilà, bye. Ah oui, non, je m'étais totalement trompé. Non, il y a juste eu un petit lag. Non, bah voilà, bah, j'ai déjà tout dit. Sur ce, bah salut, porte-toi bien.